Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Big Opening 2.0 sur le petit compte. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un opening. Du coup je vous avais dit à la base que je ferai un opening au moment où j'aurai fini l'inco. Sauf qu'en vrai, voilà, l'inco je vais peut-être le terminer dans une semaine, un truc comme ça, donc voilà. Je préfère vous le faire maintenant, surtout que j'ai quelques trucs sympathiques à ouvrir. Des petits cristaux plaisir d'offrir. Les petits cristaux également plaisir d'offrir. Oh, du 5 étoiles, ça fait plaisir. Donc j'ai pas mal de cristaux 4 étoiles aussi. Pas mal de cristaux 4 étoiles. Donc il y a, voilà, des cristaux de des cristaux, donc, plaisir d'offrir, mais supérieurs. Donc donnés grâce au calendrier. Donc ça fait assez kiffer, je vais pas vous mentir. Et on va ouvrir tout ça du coup. Donc, cristaux du jour, on va ouvrir ça, donc on va y aller petit à petit. Donc ça c'est le dernier opening de l'année 2019. Nous voilà, c'est pas le plus dingue qu'on ait eu, mais en vrai on espère un bon petit tirage hein, sur cet opening. C'est vrai qu'on a eu, quelques petits features, non, on a eu Elsa déjà, on a eu, comment il s'appelle ? On a eu Mister Fantastique. Mais voilà, si on pouvait soit en éveiller un des deux, soit en choper un autre, hein, de toute façon, ça ferait kiffer. Ça ferait kiffer, le petit Vision Arcus ferait vraiment kiffer. Hein. Vision Arcus, si je le chope, c'est mon prochain 5R5 sur ce compte, c'est sûr. Parce que je n'ai pas, enfin en tout cas 5R4, ça c'est sûr. 5R5, sûrement. Ça, donc on va pas ouvrir. Vous voyez que j'ai beaucoup de cristaux de QR en vrai. Hein. Si je veux, si... c'est vrai que je devrais les ouvrir pour avoir du du T2A. C'est vrai que parce qu'il manque du T2A, mais en vrai, si j'ouvre tout ça, en théorie, je vais en choper au final. Donc, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Hein. J'en ai combien là de cristaux de QA6? Ah, on va peut-être tout ouvrir, tiens, j'en ai 128, on va les ouvrir. C'est vrai que ça fait longtemps que je stocke, en vrai. On va tout ouvrir, tiens. Hop. On va tout ouvrir, comme ça au moins ça sera fait. Et bon, je vais gagner un petit peu aussi de T4C, hein, dans à peu près toutes les catégories, ça fait plaisir. Vous voyez, un niveau T2A, on va en gagner 2, un truc comme ça, donc même plus que 2 au final. Plus que 2, donc là on est déjà à 2. On est déjà à 2 de gagner, donc là avec tout ce qu'on va ouvrir à la fin, jusqu'à la fin, là, on va presque à ta 3 même. Hein, donc, bon, même s'il y en a un qui était presque gagné déjà. Donc, voilà. Donc là vous voyez, on est à 2 T2A. Plus 12 000, donc c'est pas mal, hein. C'est pas mal, je crois que je dois être à 6 ou 7, un truc comme ça, donc en terminant, enfin, sachant qu'on va en avoir un, je vous rappelle, dans le calendrier et tout, donc ça fait kiffer. Attendez, c'est juste, attendez, est-ce que j'ai bien vu? Ah oui, non, c'est 861, ouais, c'est comme ça. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a à ouvrir? Qu'est-ce qu'on a à ouvrir d'intéressant? Bon, on va ouvrir les SCH ici, il y en a 5. Bon, il y a surtout, voilà, des bons cristaux. Il n'y a pas trop de SCH, de 3 étoiles et tout. C'est surtout, il y a beaucoup de 4 étoiles. Il y a du coup le feature. Et de toute façon, il y aura un feature qui arrivera pas trop longtemps après celui-là. Il y aura un feature de toute façon. Et bon, là, je vais terminer l'incollectable. Ça va m'emmener à 7000 éclats, un truc comme ça. Peut-être qu'on va en gagner d'ailleurs dans l'opening là de... Peut-être qu'on va en gagner donc dans l'opening des cristaux plaisir d'offrir, peut-être qu'on va gagner un petit peu des classiques, peut-être 1000, on sait pas, donc après comme j'ai eu pas mal de chance dans ces cristaux-là depuis le début, je m'attends pas à grand-chose. Ah, un petit nouveau, cool obsidiane, ça fait plaisir, cool obsidiane, hein. Je préfère préciser, parce que il y en a qui critiquent ma façon d'appeler ce personnage, donc voilà, moi j'aime bien l'appeler cool obsidiane, voilà. Je sais qu'on ne doit pas dire comme ça, mais je m'en fous, j'aime bien. Cristal du grand maître, on va l'ouvrir. Donc je pense pas avoir un sixième cristal 4. Je pense pas. Mais en tout cas, on en aura minimum 5 et ça fait déjà assez plaisir. Allez, ce petit cristal, je sais pas s'il m'a déjà donné un truc bien sur ce compte, je sais même plus. Bah écoutez, un petit 4 étoiles, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, le petit Groot. Ok. Ok, ok. Il passe à 80. Il commence à être pas mal, hein, celui-là. Enfin, il commence à être assez haut.
Ok, donc ça, là on est bon. Est-ce qu'on a d'autres trucs à ouvrir? Enfin, en vrai, si on a des éclats 4, ce qui est bien possible sur les 3 cristaux, ouais, on en aura en fait. Enfin, on aura un cristal en plus. Eh ben, je crois qu'on va y aller, hein. On va ouvrir les 3 cristaux plaisir d'offrir. C'est parti! Oh! Alors, ça c'est pas ouf, mais bon, ça nous fait un cristal de plus. Par contre, ça c'est ouf! Ça c'est ouf! 11 250, c'est un quart d'un T5B. Et bon, ça. C'est bien aussi parce que pour Void, ça va également. C'est vrai que c'est la deuxième fois que j'en chope. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. J'ai eu plus de chance sur les cristaux gratuits sur ce compte-là que sur les deux autres. Hein, parce que sur le troisième compte, j'ai pas eu un truc de ouf. Et sur le ouais sur c'est ça sur le troisième compte j'ai pas eu un truc de ouf et sur le premier compte pas ouf non plus. Enfin comme vous avez pu le voir dans le super opening d'hier. Par contre, ça c'est pas mal. Donc, bah, de toute façon, après la vidéo, on ira mettre les pierres sur Void. On ira mettre les pierres sur Void de toute façon. Bah écoutez, on va ouvrir les 6 4 étoiles. On va ouvrir les 6 4 étoiles. De toute façon, je vais tout ouvrir d'un coup hein, au final. Hein. Maintenant, les 4 étoiles, on s'en fout un peu. Donc, est-ce que je vais avoir du nouveau? Eh ben non, j'ai pas de nouveau. Hein. Mais en vrai, je commence à tout avoir. Hein. Ah, éveil de Joe Fixit. 80, vaudouée au max, torche humaine éveil et fléau à 40. Ok, bah ça me fait passer au-dessus de 21 000. J'ai deux cristaux de compétences max également. C'est vrai, je commence à en avoir quelques-uns qui sont maxés maintenant. Je commence à en avoir quelques-uns qui sont maxés. Donc ça fait plaisir. On va ouvrir les deux cristaux de compétences max. On va les ouvrir tout de suite. Toc. 550 éclats. Donc on est à 22 000. Donc 22 000, ça veut dire que je suis déjà à 7 000 pour le prochain feature. Donc on est carrément bien. Sachant que quand je vais finir l'inco, j'ai le maître qui est pas terminé à 100%, non. Il me reste le premier chapitre, je crois. J'ai terminé le normal et l'héroïque là. Le débutant, j'ai pas commencé du tout. Et les quêtes à côté là, le hall du héros, pas du tout non plus. Mais bon, vous inquiétez pas, ça va se faire. Bon, en tout cas, nouveau cristal, 5 étoiles, feature, donc j'espère avoir de la chance. J'en avais ouvert 6, je crois que j'en ai pas ouvert depuis. Ah si, j'ai dû en ouvrir, si. Si, j'en ai ouvert. J'en ai ouvert un de plus, et je sais plus ce que j'avais eu. Bah si, j'ai ouvert mon 6 étoiles, mais dedans, je sais plus ce que j'avais eu dans mon 5 étoiles. Dans mon 5 étoiles, je sais plus ce que j'avais eu. Mais en tout cas. Voilà, dans celui-là, si on pouvait avoir, voilà, Vision Arcus, ça serait génial. Éveil d'Elsa, bien évidemment. Éveil de Mister Fantastique, ça serait kiffant de ouf. Guillotine également. Voilà. Mais c'est vrai que Vision Arcus, je kifferais parce qu'il me faut vraiment du cosmique. Ok, Morningstar, je crois pas que je l'ai, ouais, je l'ai pas. Et ben, alors d'ailleurs, c'est bizarre, Morningstar, elle est toute petite quand on l'obtient comme ça. Je trouve, elle est toute petite, c'est bizarre. Ok, Morningstar, bon, c'est pas un feature, c'est pas un personnage que je vais monter, mais bon, ça fait un nouveau. Ça fait un nouveau dans le roster. Donc, on est à combien d'ailleurs de 5 étoiles maintenant? Donc, on a eu Cool Obsidian en 3, et on a eu du coup Morningstar en 5 en nouveau. Donc, on en est où? On en est où? On en est où? D'ailleurs, j'ai monté Mister Fantastic 5R3 hein, sur ce compte. On en est où? Donc là, on est bon. Donc vous voyez que Mister Fantastic est monté. Et donc en 5 étoiles. Donc en 6, j'en ai 6 normalement. C'est ça. Et en 5 étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 9, 10, 11, 12. Eh, j'en ai quand même 62 hein, des 5 étoiles au final, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Donc j'ai Elsa qu'il faut toujours que je monte, hein. Il faut toujours que je monte Elsa. Je sais pas où je la monterai, mais en tout cas je vais la monter. Et bah, je verrai si Mister Fantastic monte un peu plus haut. Mais c'est bien possible que comme j'ai que deux virtuoses R4, c'est bien possible que je monte. Après, comme j'ai deux virtuoses 6 étoiles, mais bon, je pense monter Elsa en R4, il y a moyen. Et Mister Fantastic aussi, parce que j'ai que un R5 au final, donc voilà, ça peut être kiffant. Il faut que je monte. De toute façon, il faut que je monte des R4 au final, parce que vous voyez qu'en R4, R4 et 6 étoiles, regardez, je suis pas ouf non plus, hein. J'en ai 14. J'en ai 14 des 6 étoiles, plus R5 et R4. Donc vous imaginez quand je suis. En GA, en QA et enfin en attaque GA, en défense GA, enfin en gros en phase d'attaque GA, ça veut dire que j'ai du coup 11 persos de réquisitionnés, donc 11 persos sur ceci. Donc voilà, il faudrait quand même que j'augmente un peu mon roster.
C'est vrai qu'un petit Mister Fantastic serait frais kiffé. Après, le truc aussi, c'est que... et le petit souci, c'est que j'ai toujours pas de cosmique, en fait. C'est le problème. Mais on va essayer toujours d'avoir ce Vision Arcus. Il me le faut sur ce compte. Il me le faut vraiment beaucoup. Voilà. Bah, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. On va monter, donc dans le prochain gain de niveau, je pense monter Elsa. Et Mister Fantastic, d'ailleurs, on est à combien de T2A? On est à 7 T2A, donc je peux monter 2 R4 bientôt. Je peux monter bientôt 2 R4. Ok. Ok. Et donc en kata, là. Ouais, il y a peut-être des trucs qui périment d'ailleurs, non? Non, pas du tout. Ah, j'ai plus d'alpha. Hein. Ah oui, c'est vrai que les alphas, je suis dans le mal aussi. C'est vrai que j'avais zappé ça, mais je suis dans le mal en alpha. Hein. Enfin, j'en ai 11, mais je suis un peu dans le mal. Mais vous voyez, regardez ce bug. Pourquoi j'ai 18 450 de T5C. Vous voyez, je parie qu'en cosmique, je vais en avoir 16 000 et quelques, tiens. Regardez. Je parie, hein. Oh là là, j'en ai 16 650. C'est un bug, hein, vous inquiétez pas, c'est un bug. Et j'ai toujours 2 T5B, bientôt 3, du coup, grâce à cet opening de cristaux, donc de plaisir d'offrir. Donc, normalement, sur ce compte, il n'y aura plus de cristaux plaisir d'offrir. Sur le troisième compte, non plus. Mais par contre, sur le gros compte, il risque d'en avoir encore quelques-uns. Donc voilà, on va patienter et on va attendre de voir ce qu'on chope dans ces cristaux. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet opening, le dernier de 2019 sur mes comptes. Et en tout cas, on se retrouve très bientôt, donc en 2020, pour le début des openings de 2020, bien évidemment. Donc que ça soit sur ce compte, sur le premier compte, mais également sur le troisième compte, avec très très vite. Je pense que ça devrait sortir même le 1er janvier. Hein. Un opening donc de mon deuxième champion 5 étoiles donc sur ce compte-là. Donc j'espère choper du lourd. Voilà, merci à vous, bonne soirée, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos de Twitch, Twitter, Dealer sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée.